Chers amis, chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour l'étude de la parole de Dieu. Merci d'être présents et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Notre sujet du jour, Philippe et Nathanaël. Prions. Dieu de bonté, de fidélité, nous te remercions pour tes bienfaits envers nous. Nous te disons merci pour ce don que tu nous as offert en la personne de Jésus, ton Fils unique. Merci pour ta parole qui a été faite chère pour chacun de nous et alors que nous allons étudier ta parole ouvre notre intelligence et donne-nous la capacité de comprendre et de mettre en pratique cette parole bénis nos auditeurs nous te le demandons au nom de Jésus amen pour commencer notre réflexion je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 43 à 46 le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, Suis-moi. Verset 44. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, Viens. J'ai une question pour vous, chers auditeurs. Qu'est-ce que le message de Philippe a déjà révélé sur sa foi en Jésus Je demande à ce que l'Esprit du Seigneur soit ton compagnon dans ta réflexion. Chers amis, comme je disais, Philippe était de Bethsaïda, ainsi qu'André et Pierre. Il trouva son ami Nathanaël et lui parla de Jésus. Jean-Baptiste avait appelé Jésus l'agneau de Dieu. André avait dit à Pierre qu'il avait trouvé le Messie. Mais Philippe dit de Jésus qu'il est celui dont Moïse et les prophètes avaient parlé, et il ajouta le nom de Jésus de Nazareth. Sa référence à Nazareth déclencha une vive réaction de la part de son ami. Nathanaël semblait avoir des préjugés contre la petite ville de Nazareth. Il est certain qu'un roi ne viendrait pas d'un tel endroit. Les préjugés empêchent, mes amis, facilement les gens de voir ce que les autres valent vraiment. Philippe semble avoir reconnu peut-être, d'après des conversations antérieures avec Nathanaël, que la bonne façon de faire face aux préjugés n'est pas une argumentation philosophique ou théologique exaltée, mais plutôt d'inviter l'individu à faire l'expérience de la vérité personnellement par lui-même. Il dit simplement, viens et vois. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il alla voir. Dans Jean chapitre 1 41 à 51. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit au verset 50, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51, il lui dit, En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous avons une question. Comment Jésus avait-il convaincu Nathanaël de croire en lui et quelle a été sa réponse? À cette belle question, je demande au Saint-Esprit de t'assister dans ta réflexion. Chers auditeurs, ce qui manque entre les versets 46 et 47, c'est le détail crucial de la façon dont Nathanaël avait répondu à l'invitation de Philippe. Cependant, il se leva et alla voir. Son amitié avec Philippe était plus forte que ses préjugés et sa vie allait changer à partir de ce moment. Jésus dit de belles paroles au sujet de Nathanaël, le qualifiant d'Israélite en qui il n'y a point de fraude, un grand contraste avec ce que Nathanaël avait dit de Jésus. Nathanaël répondit avec surprise parce qu'il n'avait jamais rencontré Jésus auparavant. Puis Jésus fit allusion au fait de l'avoir vu sous un figuier et cette petite déclaration convainquit Nathanaël. Chers amis, Jésus, par la perspicacité divine, avait vu Nathanaël prier, cherchant la vérité sous cet arbre. Nathanaël fit alors une confession exaltée, appelant Jésus rabbi, le Fils de Dieu et le Roi d'Israël. Remarquez comment la plus petite révélation en apparence conduisit à la plus grande confession de foi. Oui, mes amis, cette belle histoire aujourd'hui nous apprend beaucoup de choses. Après André, Jean et Pierre, nous tournons maintenant notre attention vers Philippe et Nathanaël. Philippe, sentant que son ami Nathanaël avait un peu de préjugés et certainement pas crédule, essaya de présenter des preuves plus convaincantes sur le Messie dans les livres de Moïse et des prophètes. Lorsque Nathanaël hésitait à croire en apprenant que Jésus était de Nazareth, Philippe ne débattit ni ne discuta avec lui, mais lui fit simplement cette invitation. Viens et vois. Remarquez que Jésus avait utilisé la même approche avec André et Jean lorsqu'il les avait invités à venir voir par eux-mêmes. Il y a quelque chose de puissant et de transformateur, chers amis, dans le fait de passer du temps avec Jésus-Christ. Nous pouvons débattre et argumenter la théologie et la philosophie en faveur de la vérité avec d'autres. Mais en fin de compte, notre témoignage est plus efficace lorsque nous les invitons gentiment et sincèrement à découvrir Jésus par eux-mêmes. Dans notre témoignage, nous devons nous concentrer sur la priorité d'aider les autres à connaître Jésus personnellement et alors beaucoup d'objections ou de doutes peuvent s'estomper. L'enseignement des doctrines est certainement important, mais nous devons commencer par Jésus, comme le cœur de toute connaissance à la gloire de Dieu. Chers auditeurs, il est important de noter le contraste entre la façon dont Nathanaël voyait Jésus et la façon dont Jésus le voyait. Nathanaël avait catégorisé Jésus comme n'étant pas bon simplement parce qu'il était originaire de Nazareth. Malheureusement, chers amis, nous aussi, nous faisons parfois la même chose aux autres. Nous les mettons dans certains casiers en fonction de la nationalité, de la race, de la culture ou d'autres différences que nous voyons. Contrairement à l'évaluation initiale de Nathanaël, Jésus était positif à l'égard de ce futur disciple. Quand Jésus le vit, il dit de lui, Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 1 verset 47. Un commentaire vraiment encourageant qu'il avait amené à s'enquérir davantage de ce nazaréen. Lorsque Nathanaël fut témoin du pouvoir prophétique de Jésus, il crut aussitôt, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais qu'on prête attention à un point important dans cette leçon. Les préjugés. Avez-vous des préjugés C'est-à-dire une opinion que vous avez reçue ou adoptée sans véritable examen. Un préjugé est une opinion préconçue portant sur un sujet, un objet, un individu ou un groupe d'individus. Il est forgé antérieurement à la connaissance réelle ou à l'expérimentation. Il est donc construit à partir d'informations erronées et souvent à partir de stéréotypes. Chers amis, c'est presque un réflexe. Cataloguer les personnes et les ranger dans les catégories sans même que nous les connaissions. Mais Dieu nous appelle à combattre cette attitude. Nous ne devons pas laisser les idées préconçues lever des barrières entre nous et notre prochain. Dans Jean 7 verset 24 il est dit, Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. En conclusion, Nathanaël se lève, perplexe, mais intrigué, et va à Jésus. Jésus va transformer cet homme sceptique en l'accueillant de manière étonnante. Il connaît les préjugés de Nathanaël, ses combats intérieurs, ses interrogations, mais il sait qu'il est ouvert à la vérité qu'il cherche encore. Et tel qu'il est, Jésus va en faire un disciple. Nathanaël est ébranlé par l'autorité qui se dégage de la personne de Jésus qui le voyait en profondeur sous le figuier. Cela suffira Nathanaël pour reconnaître en Jésus le Messie et pour affirmer la divinité de ce Jésus qui lui fera découvrir des choses bien plus grandes encore. Nous pouvons dire Amen. Nous prions donc. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux d'apprendre des choses de toi, parce que tu veux nous transformer et nous apprendre des choses sur toi, afin que nous puissions vivre mieux. Dans cette leçon, tu nous apprends à venir à toi personnellement et à faire une expérience avec toi. Et deuxièmement, tu veux enlever en nous les préjugés, des idées préconçues, qui nous empêchent de connaître l'autre, et en fait, de lui apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, donc, nous voulons venir à toi, accepter cette invitation, venir à toi pour mieux te connaître, car tu as de grandes choses à faire dans nos vies pour nous rendre heureux, épanouis, et ainsi témoigner mieux pour toi. Viens donc faire cette œuvre en nous et rends-nous un disciple digne de ce nom. Continue à nous enseigner par ton Esprit et à nous rendre heureux. Je t'ai prié au nom de Jésus et que toute gloire te soit accordée au siècle des siècles. Amen. Amen.